incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens, et vos armes de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de vos lourdes charges de président de la transition, chef d'État de la transition. Je vous remercie de votre attention. On n'applaudit pas. Monsieur le Président, je vous invite à vous lever, à venir à la barre, s'il vous plaît. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la Transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la Transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la Transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Monsieur le Président, vous pouvez baisser la main. Je donne acte à Monsieur le Premier Avocat Général de ces réquisitions. Je donne acte à Monsieur le Président de la Transition du serment prêté et le déclare installé dans ses fonctions. Dit qu'il sera de tout dressé procès verbal qui sera déposé au rang des minutes au greffe de la Cour suprême pour y avoir recours en cas de besoin et sera publié au journal officiel de la République de Guinée et partout où besoin sera. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez regagner votre place. Voilà. Monsieur le Président, je vais vous adresser au peuple de Guinée. Le banc.
Oh ouais, s'il vous plaît. Monsieur le président de la Cour suprême, monsieur le président de la Cour des comptes, monsieur le président de la Haute Autorité de la Communication, mesdames et messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres accrédités en République de Guinée, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à cette occasion solennelle de prestation de serment. Pour m'adresser à cette auguste assemblée et au peuple de Guinée tout entier, pour vous signifier toute ma